Jackson Pollock est un peintre américain de l'expressionnisme abstrait, mondialement connu de son vivant, né en 1912 et mort en 1956 aux États-Unis. La légende de Pollock s'enracine dans une enfance et une adolescence problématiques. Malheureusement, il sombra dans l'alcoolisme jusqu'à sa mort précoce. Son œuvre Number 17A figure sur la liste des peintures les plus chères du monde. Cette toile, réalisée en 1948, fut achetée pour 200 millions de dollars, soit 186 millions d'euros, par le milliardaire Ken Griffin lors d'une vente privée en 2016. Pour Pollock, l'inventeur de l'action painting, l'infini fut un élément clé de son processus. Certains historiens de l'art trouvent qu'on pourrait chercher l'origine de l'art de la performance dans l'art du geste. Le terme happening a été utilisé pour la première fois par Alan Karpov dans un article écrit en 1956 dédié à la peinture de Jackson Pollock. Dans un film de Hans Namuth, de 1951, on regarde Pollock en train de peindre en engageant tout son corps tel un danseur en déséquilibre autour de sa toile. L'utilisation de peintures fluides marque profondément la création de Jackson Pollock. Contrairement à la peinture à l'huile, l'acrylique sèche très rapidement et permet donc à l'artiste de travailler rapidement par couche et de jouer sur les effets de matière et de surface. Les œuvres expressionnistes de Pollock associent deux influences, une tendance formaliste et surréaliste. L'artiste développe la technique de dripping et invente la technique de all over. To drip signifie laisser un liquide tomber goutte à goutte, donc égoutter. Le terme de all over apparaît dans les années 50 avec la naissance de l'action painting. Il utilise des nouveaux outils, bâtons, truelles, couteaux. Pollock rompt avec les codes traditionnels de la peinture. All over, qui pourrait se traduire par partout, signifie un traitement homogène de la surface de la toile. Avec sa toile posée sur le sol, il tourne autour d'elle et projette la peinture dessus de manière spontanée. Le peintre ne fait pas de différenciation entre les différentes parties de la toile, toutes sont traitées de la même manière. Les peintures ne semblent pas s'arrêter à la matérialité physique de la toile et donnent une impression de hors-champ. La toile n'a pas de sens d'accrochage proprement défini. Jackson Pollock fut un père de l'expressionnisme abstrait. Il marqua toute la génération de peintres de l'après-guerre et il continue d'influencer la scène artistique actuelle. Le dépassement des limites du médium fut l'attribution éclatante de l'artiste à l'art contemporain. Merci.